mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ici, nous sommes bien sûr week-end et comme vous pouvez le constater, je suis à ma petite maison de ville et je voulais vous faire partager ici, on va oublier un petit peu le jardin toute cette semaine qui arrive et que je serai avec vous bien sûr. Et si je voulais, vu le mauvais temps qui persiste ici, alors je voulais vous faire partager encore, bien sûr, avec moi. Voilà, je fais des nouveaux décors, je modifie un petit peu. Et puis, je voulais faire encore quelques chansons. Voilà. Donc, alors, comme je vous fais partager, bien sûr, je vous fais tout partager. Les installations, tout ça. Alors que je viens de finir, enfin hier, on va dire, parce que j'ai commencé jeudi, vendredi, et ça me prend beaucoup de temps aussi, bien sûr. Ça me prend beaucoup de temps. Voilà. Et parfois je réfléchis comment je vais décorer. C'est pas toujours évident. Là, je me suis dit, si je vais. Faire une ouverture, voilà, parce que, à un moment donné, sur quelques vidéos alors que j'avais fait, j'avais mis des rideaux pour fermer, et là, ben, je voulais faire comme ça. Voilà. Comme ça, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient toujours cachées, hein, comme la desserte, vous la voyez au loin, non? La desserte, puis. Armoire grillagée et l'autre abat-jour là que vous ne voyez jamais, il est toujours caché, hein, c'est vrai. Celui-là est toujours caché par les rideaux et tout, hein. Et voilà, je voulais faire comme ça pour terminer la saison d'hiver. On est au printemps, mais bon, c'est la saison d'hiver quand même que je prolonge ici vu le mauvais temps. On a eu 2 semaines de beau temps, mais après on a eu du froid incroyable. La pluie, le vent, des tempêtes, beaucoup de pluie, hein, surtout. Et on a eu aussi de la neige. Voilà. Oh, je vais passer un petit peu. Bah, après, je vais commencer. Bon, je voulais faire cette vidéo avant de commencer des chansons. Bah, il est déjà 18h ici. Voilà. Alors, oh, c'est bien de faire des décorations comme ça, puis bon, avec des bougies, tout ça donne de la chaleur. Hein. Ça donne de la chaleur. Surtout qu'en ce moment, il fait pas très très chaud dehors. Donc, si je peux vous ramener un petit peu de chaleur chez vous, pourquoi pas. Voilà, avec quelques chansons, pour oublier un petit peu tout ce qui se passe, aussi les mauvaises choses. Le virus aussi, la guerre maintenant, le virus depuis 2 ans, puis la guerre ici maintenant, qu'on ne parle que ça tous les jours. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Là, on se sent quand même concerné, parce que... c'est quand même à notre porte. Il y en a ici qui ne veulent pas parler de ça et tout, mais bon, quand même. C'est vraiment atroce ce qui se passe. C'est abominable même qu'on se dit qu'il y a quand même des personnes qui sont méchantes. Et c'est même plus. On ne pourrait même pas dire si c'est des humains, parce que ce qu'ils font, faire des massacres comme ça. C'est incroyable, je pense toujours à ça, je dis, c'est pas possible, imaginez que ça serait comme ça ici, alors on peut faire ce qu'on veut, ils n'ont pas de discipline là-bas, on n'arrive pas à comprendre, c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre, hein. Ici à part les attentats qu'on a il y a une période, mais bon, c'est vrai que ça ne montre pas des bons exemples non plus. Là, vraiment, enfin bon, on en parle tellement assez que je ne vais pas trop parler de ça parce que après,
n'ai pas envie de vous casser le moral non plus. Je ne suis pas là pour vous casser le moral. Bon, je gardais le sourire quand même, malgré tout. Parce que... Sinon, on déprimerait alors. Là, on a quand même eu, pendant 2 ans, on a quand même souffert aussi avec ce virus, une décatombe aussi, avec toutes ces personnes aussi qui sont disparues et tout ça. C'était incroyable quand même. Bon, maintenant, il y a des vaccins et tout, on nous dit de plus mettre de masques et tout ça. Après, le virus revient en os. Moi, je vais quelque part, je garde toujours mon masque. Alors, une pharmacie, tout, un petit magasin, j'ai toujours mon masque, n'importe où. Même quand je promenais dans la rue, j'ai mon masque. Parce qu'on est toujours tenté pour aller faire des magasins, donc on ne va pas retirer, remettre. Je préfère. Je suis habitué maintenant, alors. On fout des gens qui regardent, ils regardent. Ah ouais. Sinon, j'étais content. C'était mercredi dernier. Je me souviens. C'était mercredi dernier. Ouais, on m'avait offert un spectacle alors, avec des amis, donc qui sont fans de cette chanteuse. Je ne sais pas si je peux bien prononcer son prénom, Uchi, un nom comme ça. Et qu'est-ce qu'elle était émouvante. Ah, vraiment, j'ai adoré cette fille. Elle a une superbe voix. Elle a des problèmes. Je sais pas, m'expliquer qu'elle avait des problèmes, qu'elle serait sourde par la suite et tout. Enfin bon, c'est malheureux. Mais en tout cas, elle était vraiment géniale. Voilà. J'ai bien sûr filmé. J'ai filmé. Alors, je ferai peut-être partager quelques vidéos. Voilà. Vraiment, j'ai des belles chansons, très émouvantes. Enfin, voilà, pour dire que j'ai passé une superbe soirée, ça fait du bien. Mais là aussi, voilà, j'ai gardé mon masque. J'étais d'ailleurs avec mes amis qui avaient gardé leur masque, mais on n'était pas tous ensemble parce qu'il n'y avait pas de siège, c'était au Zénith, il n'y avait pas de siège ensemble, quoi, donc mais c'était pas très grave. Et bon, à côté de moi, toutes les personnes n'avaient pas de masque. Alors, voilà. Que voulez-vous faire? Je ne veux rien dire non plus. Je préfère rester vigilant de ce côté-là. Et j'étais vraiment content. Et c'est vrai que ça fait du bien. En tant que j'ai pas été un spectacle et tout, depuis 2 ans hein, quand même. J'ai déjà été voir Sylvie Vartan, Madame Mouskouri, Daniel Guichard. Il y en a une aussi que je devais voir, mais c'était annulé, c'était Jeanne Mas. Moi j'aime bien un petit peu de tout aussi. Hein. J'aime bien aussi, si je pourrais aller la voir, c'est Clara Luciani, un nom comme ça, chante hyper bien aussi, à mode. J'aime bien aussi, je ne sais pas tous les noms, hein. Bon, qu'importe. Voilà, mais c'est une belle distraction aussi. Enfin bon, là, je ne vais pas être plus long, parce que sinon... Après, j'aurais plus le temps de faire des chansons. Donc, je voulais faire cette vidéo ici avant de commencer. Là. Voilà. Je ne sais pas quelle chanson je vais faire. Voilà. Donc, je voulais faire des décors comme ça. Bon, pour toute la semaine prochaine. Après, le beau temps va revenir. Et après, bien sûr, je vais tout remballer. Je vais tout repasser. Je vais tout
préparer, je vais tout ranger et tout, jusqu'au mois de novembre prochain, novembre ici, pardon, qui arrive, que je ferai de nouvelles vidéos avec de nouveaux décors, et voilà. Je vais vous laisser, mes chers amis, et comme on est samedi, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, j'espère bientôt sur une nouvelle vidéo. Et bien sûr, surtout, prenez bien soin de vous. Restez très très vigilants aussi, toujours avec ce virus. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.